Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la quatrième et sortie téléjournal là pour semaine lancée avec un pile plaisir d'apporter pour vous, mais quelques points pour le développer. Assise criminelle avec ou sans assistant jury ou après poursuivre dans la justice Port-au-Prince, jeudi 26 juillet, tribunal criminel traité plusieurs cas de vol, viol avec association malfaiteur. L'état de droit, les droits de l'homme et la sécurité, c'est sous différents thèmes ça y est responsable. Mission Nations Unies pour appuyer justice en Haïti, MINUJUST et UNESCO a réalisé un concours fable qui portait nom Il était une fable. Il y a 29 élèves qui sélectionnaient dans le cadre concours là. Environ une dizaine d'élèves dans différentes écoles a fait stage dans la télévision nationale d'Haïti dans le cadre des programmes emploi à temps partiel là. Yon initiative direction générale télévision pour accompagner élèves qui fait plus gros moyen yo. Et puis yon explosion faite jeudi 26 juillet à l'ambassade États-Unis qui trouvait dans la ville Pékin. Plusieurs images qui publiées sur réseaux sociaux ont montré la fumée devant bâtiment avec présence quelques machines la police. Et branché n'a tourné après pause là avec développement que les journal ça. Nous voulons saluer tout le monde. Merci pour fidélité nous. Nous allons recevoir Wilner Polidor qui va dire nous comment condition temps est. Salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui pour prévision météorologique. On a comme situation est sous pays d'Haïti. Un tropical qui prévoit pour traverser pays d'Haïti au cours de soirée. Mais c'est région sud de la Cap concernée par activité la pluie, même si vers le nord toujours une zone de haute pression en Cap influencée. En ce sens, nous attendons avec quelques averses la pluie sur toute région sud. Cela veut dire que département sud-est, NIP, sud et la Grenance, il y a en bas quelques activités la pluie pour asseoir et au cours de nuit pendant passage en ça pour jeudi. Mais pour l'ensemble, pour le nord, il doit gagner quelques activités la pluie, c'est très isolé. Mais dans l'ensemble, c'est toujours un tropical là qui est capable de provoquer quelques averses la pluie sous. La guerre de l'Ordonnance, en parlant de demain, il y a plus d'activités la pluie sous capitale pays d'Haïti, mais à ce moment-là, il y a une possibilité pour gagner quelques averses la pluie, surtout dans la zone qui est dans le sud capitale là, disons dans la zone de Carrefour, Martissant et Petit Gouave, Grand Gouave et Léogane, il y a une possibilité pour gagner quelques averses la pluie en soirée ou au cours de nuit là. Température là peut monter jusqu'à 35 degrés sous capitale du pays d'Haïti et puis la descente c'est 24 degrés pour jeudi là et n'a pas senti effet de chaleur non seulement au cours de journée mais aussi au cours de nuit là. La mer est agitée sous côte sud pays d'Haïti parce que non seulement nous prévoit la pluie avec l'orage, visibilité a réduit, nous des capitaines de précaution surtout là après très enflammé parce que non seulement la mer a agité à faute sous côte sud la mer. La pluie qui a tombé avec l'orage pour aller réduire visibilité à, il faut qu'on prenne en pile précaution sous zone côte sud pays d'Haïti. Mais pour gagner la vie, la pluie d'Haïti n'a pas gagné trop de soucis, sauf que pendant 20 ans, il faut prendre en pile précaution. Et pour parler sur le migrant, on serait là couché jeudi à 7h27 et la pleuvée le matin à 6h25. Merci pour faire les vidéos avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Merci Wilner Polidor. Mes journaux en détail. Kounia, direction nationale de l'eau potable. Avec assainissement d'INEPA, fait une visite guidée avec la presse lundi 23 juillet dans diverses stations côté d'INEPA. À travail dans le département l'Ouest là. Travail ça est rentré dans le cadre programme renforcement production de l'eau potable, Banque Interaméricaine Développement financé. Travail ça fait partie priorité président République là, Jovenel Moïse, pour bon de l'eau potable couler dans robinet population. Sabine Jean-Étienne. À travers chantier ça d'INEPA visé renforcer production de l'eau potable dans diverses zones dans la région métropolitaine. Tankou, Vivi Mitchell, Wood Frère, Gérald Bataille, Tabac et Ternier pour ne citer là seulement. Première phase du programme, c'est faire 13 km canalisation, mettre en bon état différents réseaux de distribution, équiper réservoirs avec bon système pompage. Tant que dans Water Vivi Mitchell, réservoir ça doit kembe environ 2000 m3 d'eau. Ça veut dire que c'est un gros travail. Mais faut me dire nous, à côté Banque Interaméricaine de Développement qui accompagne nous,
et bien travail ça pas possible si pas gain si pas gain cohésion en dedans saint gouvernement tout au moins ça qui concernait travaux publics ministère travaux publics accompagner nous et bien dîner pas bon côté nous avec toute direction régionale plus particulièrement direction régionale Orepa Ouest qui gain à la tête li ingénieur Raphaël Osti mais tout faut me dire nous coordination caravane changement grâce à travers monsieur Jacques Thomas toujours porter collaboration pas plus tard semaine dernière et bien ne serait-ce qu'avec l'aide de Jacques Thomas de la caravane du changement et bien nous tapons bien pile difficulté pour nous voyer une équipe qui a et bien pour nous aller reprendre le travail qu'a fait en Savo et collaboration a toujours continué entre aujourd'hui et demain go équipe tuyau cap sorti en dans Port-au-Prince que gouvernement te mette à la disposition nous qui pral maïsade avec tout le monde mercredi ou bien jeudi go équipe l'autre tuyau qui praler juste Belader et bien ça va gagner environ 15 jours conseiller spécial président à savoir monsieur Adouin Zéphirin qui ouais effort que nous avons fait juste au cap pour nous faire tuyau vini et bien il dit il pral mettre flatbed à la disposition nous après Vivi Michel ak Tabar là nous n'a pernier côté gain deux forages sur 8 forages qui sortent rivière grise dîner pas à diriger vers différents réseaux là côté nia là Jean technicien en saut de ban information bon côté nier pernier là c'est-à-dire au niveau de mairie Pétionville nous gain deux forages chaque forage yo gon capacité de production qui avoisine entre 180 et 200 mètres cubes par jour et bien l'autre côté rivière grise là à savoir quoi des bouquets en conséquence li sous l'obédience mairie des bouquets et bien gain 6 forages et bien Jean monsieur Dubos Patrick saute ba nous information hein et bien appareil ça nous aide nous là et bien même appareil ça gain youn à l'autre bord rivière grise là à savoir quoi des bouquets et bien c'est un tunnel qui a passé en bas rivière là avec une profondeur de 20 mètres et bien qui permet que et bien un gros tuyau environ d'environ 600 mm 500 mm à permettre eh bien 6 forages qui pour côté trois des bouquets et deux autres qui pour côté peigna reliés ensemble eh bien qui pral ban nous une production d'environ 32 000 m3 d'eau par jour technicien au mandé population prend installation du Népayo en considération parce que c'est dans intérêt yo toute réalisation ça yo a fait c'est tout ça que nous posons c'est qui travaille ça divisé en quatre tronçons qui va permettre nous augmenter production et faciliter changer horaire mon yo gagne 2 jours de l'eau que nous va arranger ça puisque nous va gagner plus d'eau sous R120 mon del ba on va améliorer général bataille mon ça va améliorer et mon vie Michel qui pas gagne de l'eau nous va capable ba de l'eau planifier façon redistribution pour satisfaire tout le monde qui n'a plus rien pour mieux alimenter zone qui a premier senti c'est zone Delmayo qui est extrêmement important avec zone Gérald Bataille pour commencer senti le travail ça a commencé en fin décembre pour qui ça c'est parce que réservoir R120 qui existait depuis que nous portons de l'eau nous rivé l'autre bord c'est évident que on gros amélioration donc il y a quelques difficultés nous joindre dans zone là avec incompréhension et mais tout si c'est pas des bonnes collaborations mon de certaines fois nous pas t'a rivé faire tout volume travail ça mais malgré tout nous avons des difficultés avec la population, certaines fois que nous demandons de comprendre nous et comprendre que le travail qu'a fait est un travail extrêmement important pour nous capables d'améliorer. Donc on n'est tout pas tout bien besoin, mais nous voulons finir avec le travail ça pour nous capables d'améliorer les conditions de droit. Travail renforcement, production de l'eau, masse éco et film de supervision, hein, c'est ça fait. Merci Sabine Jean-Étienne, président Sénat Joseph Lambert annoncé dans conférence président et spécial qui était organisé mardi 24 juillet, sénateur a décidé camper sous contrat loi Ekay pour président officiel président Sénat pour résidence officielle président Sénat. Sénateur Lambert dit yon bo yo diminué sous série privilège sénateur yo te gagné
yo extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. La rubrique subvention au Sénat de la République, eh bien nous-mêmes nous dit que il serait bon que dans question subvention hein, nous prenons toutes dispositions pour que nous couper question subvention que nous connaissons dans le Sénat République là au moins de moitié, en façon pour que nous capables répondre quand même à strict minimum là, on besoin juste justifié. Et puis la question subvention aussi au niveau de l'État, l'argent qui est en haute intervention publique ou par contre s'allier, nous dit faut qu'il y ait des lignes budgétaires claires qui dit dans haute intervention publique là comment comme que vous pouvez voir pour 1 2 3 4 en façon pour tout le monde capable de sentir que confortable dans un budget que n'a pas appliqué. Et dans une conjoncture assez particulière, nous avons reporté question hier, de convoquer une conférence des présidents spéciale extraordinaire et me reporté question ça par devant la conférence des présidents. À part une série de l'autre mesure que nous gagnons incessamment pour nous prendre et en même temps tout publier, nous sommes capables de dire que la conférence des présidents décide. J'ai demandé là pour que les moins autorité pour moi résilier contrat de bail à ferme sous immeuble sac tabal loger résidence président Assemblée nationale. Ça, c'est la toute première mesure que nous prenons et que nous sommes capables de prendre maintenant pour journée aujourd'hui officielle. Pour les périodes de rara, eh bien, nous pas besoin un sénateur qu'on y a là pour bonne rara, mandé sénateur Corb ou bien concours rara et autres, etc. Nous pas besoin de ça tout pour nous bailler parce que l'État ne pas prendre comme ça sous compte, nous, faut qu'il aller vers des institutions qui cabayol pour eux-mêmes nous joindre. Par exemple, dans la période de vacances, là, qu'on y a là, équipe football, pas capable de équipement, ballon football, financer championnat, quartier, ou bien petit camp, et autres, etc., parce que nous pas gagné moyen ça à tout pour ça. Avec dit que faut que tout le monde connaît, que le monde, par exemple, qu'on a demandé nous payer entièrement, ou bien pour faire communion, confirmation, ou bien payer l'école pour lui, ou bien payer l'université, subvention sous toute forme, ça ou tout, sénateur pas gagné. Il y a son façon tout pour que vous connaissiez. Pendant que nous faisons coupe ça ou sous nous tout, nous pas gagné moyen ça encore tout pour nous aider ou tout, et sous toute forme. Et il était à la discrétion non sénateur, en fonction de ça que lié, ça que gagné comme moyen personnel lié, ou bien un strict minimum de que le bois gagne qui c'est salaire li et frais normal de 34 000 gouttes, salaire de 72 000 gouttes que le gagne hein, c'est lui même qui va le connaître tout ça le capable faire pour carburant n'a réfléchi sur lui mais nous pas quoi que n'a pas coupé carburant et pour question que location véhicule bah ça banni totalement pendant question location véhicule encore du tout. Et n'a fait en sorte que au Sénat de la République nous créer les conditions nécessaires, que ce soit à travers le rectificatif ou bien à travers le budget 2018-2019, pour que toute dette, généralement quelconque que le Sénat ait gagné qui est autour de 300 à 400 millions de gouttes, eh bien pour nous épuiser les et éteindre totalement pour que nous pas gagnions de dette. Parce que nous gagnons des dettes là qui cumulées sous plusieurs années de l'administration antérieure, que nous-mêmes, je vous dis, nous obligés de faire face à les. Parce que la gestion que nous avons fait à nous-mêmes dans le Sénat République là, son gestion saine, son gestion transparente, et nous avons eu l'opportunité pour que nous des sénateurs qui ont intervenu, qui ont élevé la voix, pour dire effectivement, pour une fois, ils ont assisté à une gestion vraiment transparente au niveau du Sénat de la République. Responsable communication avec plaidoyer groupe cap appuyé rapatrié avec réfugié au Gard, Géralda Saint-Ville, Lubin, expliqué institution a enregistré 28 873 rapatriés à travers divers points frontaliers, sorti mois janvier pour arriver mois juin. Responsable communication Gard l'a précisé divers cas violences enregistrés dans moment rapatriement ça yo. Géralda Saint-Ville, Lubin, apporter plus d'explications dans le micro Louis-Nel Jean-Louis et Michaud Joseph. Chiffres que nous commençons à collecter pour le mois de juillet, pour nous capables de prendre l'exemple de Belader, qui est un point frontalier officiel, Belader Elias Kinya. Déjà entre 3 et 17 juillet, nous avons un total de 1054 rapatriés. L'année, il y a 952 garçons et 102 filles. Et 32 mineurs non accompagnés. Quand nous disons mineurs non accompagnés, c'est des mineurs qui viennent sans poche et qui ont le même traitement
même gens adultes. Alors là nous connaît condition appartement aux gens très critique, ça fait que nous toujours alerté pour catégorie ça. Alors garantie fait sortir un premier bilan pour premier semestre année 2018 là. Nous déjà rapatrié et 680 retournés spontanés. Alors c'est des chiffres que nous collectons à travers bureau nous et à travers manifeste que nous recevons quand autorité dominicaine nous vient à groupe de rapatriés. Chiffres ça aussi des chiffres qui partiels pour plusieurs raisons. D'abord gars pas une capacité pour l'étendre sur tout point frontière là puisque nous connaissons 141 points frontière entre Haïti et République dominicaine et gain seulement 4 points officiels. Mais ça nous doit alerter sur situation ça. C'est d'abord différents cas de violation qui fait dans l'opération rapatriement ça. Premier aspect que nous avons soulevé, c'est question confiscation de documents de voyage. Nous connaissons que le rapatriement n'est pas fait seulement sur base d'irrégularité parce que nous avons une situation irrégulière pour retourner, mais il fait tout sur base de discrimination. Au monde qui est simplement noir et une situation qui passe là, il a juste mis tout un bus sur le retourner. Ça qu'on vient que nous recevons des mouns qui ont un visa, qui ont un passeport valide, qui retournent, qui parmi la foule, parce que n'ont pas le temps de vérifier le passeport. Mais ça qui compte plus et dur, c'est que quand l'autorité dominicaine a des gens comme ça, qui voulait montrer le passeport, le visa, déchiré ou saisir. L'autre violation que nous devons soulever, c'est le cas de bastonnade, mauvais traitement. En pile migrant yo yo se voit des coups, yo vini blessé, yo vini sale, yo vini vraiment dans des conditions très critiques. De les côtés yo arrêté yo jusqu'à frontière là, c'est vraiment conditions criantes, c'est bagaille qui pour faire que ou même en tant que moun ou ouais que yo porter atteinte avec dignité yo. De l'autre côté, gare exprimait qui étudie yo par rapport à respect date 26 d'août 2018 là, autorité dominicaine yo te bail pour migrants yo fin mette yo en règle. Responsable communication gare là, Giralda Saint-Ville-Lubin, indiquait 239 000 migrants qui rivaient régularisés dans le cadre programme national régularisation en PNRE. Dans ce sens-là, il souhaitait autorité l'État chita ensemble pour une solution à problème ça. Toujours dans le micro, Louinel Jean-Louis avec Michel Joseph, yon extrait. L'inquiétude que Gav le partager, c'est par rapport avec 26 août Cap Vini là. Nous connaissons que ça fait depuis 2015, la République dominicaine te met en plan national de régularisation des étrangers qui aurait le sous site PNRE. Et bien, plan ça, à deux reprises, il y a une prolongation pour les gens qui te jouent une carte de résidence en année ou deux années. À partir de 26 août, c'est pas la dernière prolongation, fin dernière prolongation que vous avez là. Est-ce que tout le monde a joué une carte? Les gens qui étaient dans une situation incertaine commencent à évoluer, nous ne connaissons pas. Et nous connaissons que l'État est s'interclamé, il est fort, passeport par rapport à un problème encore, il y a un passeport à gogo. Nous espérons que vous avez finalisé le processus là. Mais l'inquiétude, nous, c'est pour, à partir de 26 août, pour avoir des vagues de rapatriement, j'en sais qu'on fait. Ça qui est beaucoup plus urgent pour de l'État au Chita, qui pour permettre que vous avez décidé. Pour c'est pas leur situation arrivée, laisse après pas juste pompiers, ils vont faire des délégations sous frontière là, mais et engager un dialogue avec vis-à-vis en République dominicaine qui va permettre que mon épidamon clair ça qui pendait sous mon yo pas arriver vraiment atteindre. Il y a un réseau national défense droit moun RNDDH qui présente rapport yon enquête yo réalisé sous émeute 6 à 7 à 8 juillet qui sont passés. Dans quatre bilans ça RNDDH fait connait gen 20 moun qui mouri, 76 machines boulées, 84 entreprises privées ak 5 institutions étatiques endommagées. Yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort ak Henri Robert Chiri.
qui méthodologie que RNDDH utilise dans le cadre d'enquête client et RNDDH avec autorité judiciaire, policière et pénitentiaire. RNDDH sillonné diverses artères communes département de l'Ouest là et li tout dans le cadre ça visiter 29 espaces qui subit dommages. Parmi eux, 21 entreprises commerciales et puis 8 centres commerciaux. Côté que RNDDH rivait parler avec des responsables et certains employés. RNDDH tout entretenu avec responsables de réseau départemental pour les capables et gagner information sur comment situation entière dans moment 6, 7, 8 yo, dans l'autre département géographique pays. Ya. Si là, yo que yo arrêté dans le cadre émeute 6, 7, 8 yo, tout, RNDDH et visite yo dans lieu de décarcération. Yo et li entretenir avec yo. En sa ki gen awe avec événement 6, 7, 8 juillet 2018 yo, RNDDH wè sensé ke genyen au moins 20 moun ki perdu la vie yo nan kad événement sa yo, parmi yo yon agent de la police nationale d'Haïti, et genyen au moins yon ti moun ki blessé et ki wè sensé li même du côté de Petit Gouave. Sous ça qui gagne ouais avec machine qui boule faut que nous signaler que dans cadre d'enquête là l'on t'a rencontré avec autorité et policiers yo même fait état de 52 machines qui boule que même t'a recensé mais faut que nous dit tout que t'ai dit nous que c'est un bilan provisoire que gagne mais nous même au niveau de RNDDH nous recensé 76 machines qui boule gagne 52 qui t'est garé sous la cour des entreprises commerciales que RNDDH visité dans cadre d'enquête ça et gagne 24 machines neuves qui t'est exposé dans deux showrooms Universal Motors yon sous aéroport et une autre lui-même du côté de Pétionville. N'a souligné tout que et machine qui boulait ou bien qui crasait dans la rue pas présenté. Maintenant sous ça qui gagne à voir avec entreprise qui endommagée. RNDDH recensé dans cadre enquête ça 84 entreprises privées qui endommagées et gagne 5 institutions étatiques tout qui rivé endommagées. Pour entreprise privée qui endommagée, RNDDH fait deux grandes catégorisations. Gagne 30 entreprises qui endommagées eux même qui étaient localisées dans des bâtiments uniques que RNDDH recensé et le visiter j'en te dit tout à l'heure une entreprise notre entreprise ça yo et deuxièmement gagne 54 entreprises privées qui endommagées qui yo même est localisé dans des centres commerciaux et dans cadre d'enquête ça RNDDH rivé visiter 8 centres commerciaux. Maintenant pour institution étatique qui endommagé yo RNDDH recensé si la yo bureau douane Gantier, bureau douane Bonne-Cabri, tribunal de paix Petit Gouave, conseil électoral provisoire Pétionville, direction générale des impôts qui du côté de Tabor. L'état de droit, les droits de l'homme et la sécurité, c'est sous différents thèmes ça yo responsable mission Nations Unies pour appuyer justice en Haïti, MINUJUS et UNESCO a réalisé un concours fable qui porte nom Il était une fable. Responsable fait connaître sélectionné 29 élèves dans cadre concours ça, parmi eux 12 filles et 17 garçons. Qui écrit 33 fables. Porte-parole MINUJUS là, Sophie Bouteau de la Combe, invité public là pour monter sous onglet article compte Facebook MINUJUS là pour voter fab yo pire main dans chaque thème. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort à Henri Robert Chic. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui pour dévoiler les 33 fables écrites par les 29 élèves de 15 à 24 ans, sélectionnés par la Commission nationale des écoles partenaires de l'UNESCO. En coordination avec le réseau des écoles associées à l'UNESCO dans le département de l'Ouest. Ces 12 filles et 17 garçons ont fait un travail de création, mais surtout un travail de conscientisation, que nous vous invitons à lire, à partager et à débattre. Chaque fable décrit avec force ce qui, selon eux, bloque le progrès et les changements positifs dans les domaines de la sécurité publique, de l'état de droit et des droits de l'homme. Qui sont au cœur, vous le savez, du mandat de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la MINUJUS. Par leurs fables et leurs morales, les morales qu'ils en ont tirées, ils identifient les valeurs perdues, sacrifiées sur l'autel des intérêts. Car c'est cela la grande leçon de vie que ces enfants veulent partager avec ceux qui aujourd'hui gèrent la société et le pays. Les intérêts ont remplacé les valeurs. Que ce soit dans le domaine de la sécurité publique, de l'état de droit ou des droits de l'homme, ces enfants disent combien les intérêts individuels sont au cœur des problèmes, car ce sont les intérêts et non les valeurs
qui aujourd'hui régissent, selon eux, les décisions et les actions des adultes. Toutes les fables sont postées dès aujourd'hui sur le compte Facebook de la Minute Juste, sur l'onglet « Articles ». Par ordre alphabétique des auteurs, et du lundi au vendredi, jusqu'à ce que toutes les fables soient publiées, nous les partagerons également avec les journalistes, avec les médias, de façon à ce qu'ils puissent les diffuser le plus largement possible. Le calcul du vote du public se fera en comptant le nombre de « j'aime », le nombre de partages et le nombre de commentaires que chaque fable recevra sur les comptes Facebook et Twitter de la mission. Donc dans chaque catégorie, nous aurons un gagnant fille et un gagnant garçon qui seront déclarés gagnants à travers le nombre de votes. Mais ce n'est pas tout. Un jury formé d'intellectuels et d'experts déterminera les 6 autres gagnants selon un système de points par rapport à des critères. La créativité, la cohérence et la force inspirante de la fable, qui s'ajouteront donc aux gagnants du public. Donc les 12 gagnants, 6 gagnants du public, 6 gagnants du jury, seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 21 septembre 2018. Et toujours dans le cadre des concours FAB SILA, il y a Franck Etienne et Savannah Savary, qui sont deux écrivains qui animaient pendant 8 jours divers ateliers sous création avec écriture pour participants. D'après écrivain, l'activité a été occasion pour réaliser une prise de conscience la caille jeunesse là pour faciliter au jouer rôle comme ça doit dans le développement pays. Nous proposons un extrait. Moi, j'étais plus travail avec Simonio sur le champ de l'imaginaire, le champ sociologique, le champ historique, parce que c'est domaine ça que t'estimer qui t'a permettre moi faire yo comprendre ça relé avoir des idées neuves, imaginer, comprendre la société haïtienne, comprendre les défauts de la société haïtienne, connaître ça pas marcher la donne. Pour qu'on y ait, Léo finit connaître d'abord avec Savannah Savary. Qui ça on fabie? Qui genre qui on fabie? Qui ça qui moral là? Eh ben, je crois que, nous pas qu'à dire que nous voyons fleurs à tête, nous, mais nous satisfaits du travail qui fait là. Son premier pas, eh ben, fable, nous, c'est si nous qu'on écrit, il écrit fable là bien, nous content. Mais c'est pas un objectif de fable, non? Ce n'est pas l'objectif pour tout le monde de tourner Savannah, pour tourner Lionel Trouillo, pour tourner Fokessiel, pour tourner Anthony Phelps. Ce n'est pas ça, non? Ce cerveau, on a pu l'ouvrir sur la question de la vie, sur la question de Haïti. Donc, là, il y a un entraînement. Quand on est un entraîneur à faire gymnastique, à footballeur, et bien, ça, dit le monde, pour qui ça, football, à faire gymnastique là? C'est entraîner là pour entraîner pour l'aile monter terrain pour le connait qui j'ai pour le faire goal qui j'ai pour l'éviter goal. Donc ce travail nous faire c'est un travail qui visait formation globale timonio pour demain, pour non seulement pour gérer vie, pour gérer vie sociétaire, et si grand chance pour sauver société à tout, c'est capable premier instrument ça que nous commençons à former justement en adressant des thèmes qui important pour construction d'une société de justice. Donc, travail à partager, et Mkazi l'a fait en trois temps. D'abord, Madame Boutouda, comme présentait Timounio Projea, mes alliés. Monsieur Franck Etienne accompagne du point de vue de l'expérience. Et, partie écriture, c'est moi-même qui t'ai assuré. Nous toujours connaissons que jeunesse intéressée par le pays et qui côté pays pour aller, mais travail ça permet encore une mise à nu de à quel point que jeunesse ça relé pour une autre société. Et prise de conscience ça a fait à travers justement la fable, qui sont genre littéraire particulier qui mettait à nu les problèmes d'une société et il y a des leçons qui tiraient de lui et parfois même gon lumière qui fait sur qui gens ça doit changer. Jean-Michel 8, et nous prenons une deuxième pause dans le téléjournal. Ça, nous tournons. Pour poursuivre avec la paroisse Saint-Anne dans Tomazo qui célébrait jeudi 26 juillet, la fête patronale
communauté a dans présence notable autorité locale député circonscription en Price Cyprien qui t'a accompagné plusieurs députés collègues li nan 50e législature célébrant principal mesla monseigneur Vital Médé mettait accent sur rôle la famille dans société a Fédéral confident Moïse Wilbridge. Il y a plusieurs centaines de pèlerins qui ont participé jeudi 26 juillet dans la commune Tomazo dans la fête patronale Sainte-Anne. Célébrant principal Mesla, Monseigneur Vital Médé a encouragé les familles pour prendre responsabilité. Monseigneur a souhaité tout le monde dans la commune Tomazo mettre ensemble pour changer la figure communauté. Nous sommes capables d'apprécier Sainte-Anne avec Saint-Joachim qui n'a pas fêté jeudi. Eh bien, toutes les choses sont menées pour nous parler de la famille. De la famille. Certainement, Sainte-Anne avec Saint-Joachim, ils ont rempli mission, ils ont rôle comme papa avec maman, eh bien, dans l'éducation Marie et certainement tout dans l'éducation Jésus, puisque Jésus te connaît yo, comme papa, comme grand-papa, comme grand-maman. Donc la famille, eh bien, comme apôtre Paul, comme Jean-Paul II toujours dit, c'est l'école, eh bien, c'est l'école de formation, c'est l'école de la grandeur. Donc, je dis à nous découvrir vraiment, pour qu'il s'agisse tout problème ça yo, dans la société noire, que ce soit en Haïti ou bien ailleurs, c'est parce que vraiment, famille manquer pour la responsabilité. Donc la famille, pour Maxime, eh bien, c'est papa, c'est maman, c'est Timoun, petit, mais si papa n'a pas la responsabilité, si maman n'a pas la responsabilité, eh bien, nous pas capables de gagner nos familles, eh bien, normales dans le pays noir. Nous avons gagné tout le temps, famille monoparentale, côté nègre, la passée, le fond petit. À droite, à gauche, et puis la guerre, madame n'a pas compris, et madame n'a lui-même lui obligé à goumer, et bien, il joue dans l'autre encore le fond petit, il fait l'autre encore, etc. La goumer, et si nous n'y a pas comme papa ou n'a pas là. Et qu'on sait vraiment si nous n'y a la guerre. Depuis des circonscriptions, en Price Cyprien exprime satisfaction li pour façon li dit faite pendant la vingtaine déroulé sous six unités à Nessa. Parlementaire qui te gagne à Cli, plusieurs collègues députés li dans 50e législature souhaitaient être ensemble à l'unité ça, continuer bourgeonner en mitant tout monde Tomazo pour développer communauté a. Nous même dans Tomazo, on a célébré fête Sainte-Anne tant qu'en en pile l'autre côté yo célébré Sainte-Anne tout. Sainte-Anne c'est pratiquement maman et pays à côté et perpétuel secours. Nous pensons que fête là sont fête grandiose et n'a continuer célébrer dans même ferveur ça avec même esprit catholique là avec même confession ça que nous gagnons n'a pas avancé pour nous permettre l'église là avancer. Tomazo regorge de richesses, nous déclarons zone protégée par l'UNESCO patrimoine de l'humanité depuis 2005. Il était investissement pour fête. Nous gagnons l'étang sous matelas, nous gagnons sous souraillement, nous gagnons tête sous zone ça c'est cette zone protégée côté gagner des espèces en voie de disparition. C'est ça fait UNESCO déclarer aux zones protégées. Nous espérons que l'État va remembrer et pendant l'État remembrer, la permettre que nous respecter zone ça dans Tomazo parce que gagner des flamants roses, gagner des caïmans, gagner des hérons et ça aurait les grands blancs et gagner des iguanes avec des queues bleues que nous pas l'autre côté que dans Tomazo. Autorité religieuse communauté Tomazo a souhaité l'année prochaine gagner plus d'activités qui organisées dans l'occasion fête Sainte-Anne. Dans ce sens, il a souhaité un travail infrastructure qui est réalisé dans la commune. Assise criminelle, il aura poursuivre dans le palais de justice Port-au-Prince. Jeudi, le tribunal criminel a traité plusieurs cas, tant que vol, viol et association malfaite. Il y a un reportage Saint-Croix-Paquis à Kervé Pierre. Assise criminelle avec assistant jurio a déroulé dans la juridiction Port-au-Prince. Jeudi 26 juillet, audience criminelle yo a poursuivre dans quatre chambres correctionnelles yo. Les Zin Wilson, tribunal yo condamné pour passer 7 l'année en prison après l'état commettre viol sur un mineur 15 l'année d'après ministère public. C'est de faire appel, cassation. C'est son droit le plus entier avec ses avocats. Magistrat Denis Sagine, qui siégeait dans la première chambre, expliquait pendant toute semaine ça, ses dossiers assistent criminels avec ou sans assistant jurio, tribunal a traité seulement. Assise a commencé depuis lundi, donc il y a 5 sièges, je crois,
dans chaque jour dans tribunal là semaine ça c'est sans assistance de jury mais deux semaines qui va venir c'est la assistance avec assistance de jury mais pour connait sauter passer dans chaque première selon on t'appelle comme magistrat qui en siège bon siège qui pend par contre pour qui infraction normalement je dis moi c'est 5 sièges et si on aller dans roulement ou après qui est-ce qui siège qui gagne pour qui infraction au niveau de première chambre là nous gagne un cas de viol sur mineur. C'est une infraction qui était commise en 2012. Ça passait en novembre 2012, on a arrêté. Donc, je dis, ordonnance est voyée jugée depuis mars 2013 pour viol avec circonstances aggravantes. Donc, je dis, c'est cas ça qu'on attend. Jusqu'à présent, l'assistance criminelle a déroulé sans problème dans le palais de justice Port-au-Prince, d'après le droit et tribunal. Institution supérieure formation professionnelle graduée jeudi 26 juillet. Environ 220 étudiants. Étudiants ça recevoir formation dans le domaine cosmétologie, plomberie et carrelage. Stéphanie Charles, Fresnel Toussaint est sous place. Animation musicale, chant, remise par chemin, c'est dans l'ambiance ça, Institut supérieur, formation professionnelle, réaliser cérémonie graduation pour 220 étudiants qui recevoir formation dans divers domaines tant que cosmétologie, carrelage et plomberie. Étudiants Sayo fait partie 1200 jeunes filles et jeunes garçons, sénateur Jean-Renel Senatus financé étudio. Mais occasion, sénateur Jean-Renel Senatus félicité courage et détermination chaque gradué te mette dans étudio pour encourager jeunes yo bay plus importance à étude dans l'idée pour utile plus bien société. C'est une expérience qui était bon. Yo même ou ka wè enthousiasme parents et étudiants yo accepté de bras activité ya. Nous te journée jodi a ap gradye yo pour nous mettre yo sur marché travail là. Au lieu pour utiliser jeunes yo comme outil pour n'a bay aux âmes pour yo faire zak pour nous, on nous garder comment ka permettre monsieur Dabé Graba. On bay aux professions qui ka permettre yo avancer. Par une promotion an, ingénieur Clément Belizère mande gradye yo toujours mettre en application connaissance yo prend yon manière pour contribuer à développement société a. Ils promettent la continuer à accompagner au sens ça. Donc, chers filles, à l'aube de votre vie professionnelle, que je souhaite longue, brillante et fructueuse, il me revient à qualité de parmi cette promotion, de vous accompagner dans votre entrée de la crème parmi les professionnels haïtiens. Conseil de grand frère, Haïti a besoin de vous, donc impliquez-vous au plus haut niveau possible de la contribution du bien-être collectif. Devenez des leaders dans vos secteurs d'activité. Pratiquez le culte et la culture des résultats de la rigueur et du travail bien fait. Dirigez, commandez, motivez, devenez des chefs, des vrais chefs, dans le sens propre du terme. C'est-à-dire, des chefs qui font corps et s'imprègnent d'abord de valeur pour la grand-père. Youn Nambou Jérôme Peterson, félicité et puis remercier sénateur Jean-Renel Senatus pour si Paul Ibayo. Il encourage Genio à mettre sous côté toute vie habitude, prendre chemin l'école pour assurer l'avenir. Bon, concernant la jeunesse et les jeunesse là, juste un coup, et surtout ça qui a fait des âmes, qui a fait des bagailles qui drôlent dans le pays, hein. Juste moi-même, je souhaite que vous fassiez même gens avec moi. À l'apprendre métier et puis pour yo ka quitter gens de vie ça métier parce que gens de vie ça pas mener au nulle part gens de vie ça c'est prison et puis mourir juste m'ta remettre en coup pour yo ta l'apprendre un métier juste pour quitter gens de situation ça. Cérémonie graduation ça est arrivé possible grâce à bourade l'argent en pile parlementaire qui décidait investir dans éducation jeune. Responsable plusieurs organisations moun handicapé parmi yo organisation moun handicapé développement Haïti organisation euro candidat pour réconciliation nationale ak union handicapé réuni nan Pernier mandé président Jovenel Moïse prend disposition pour permettre handicapé yo représenter nan nouveau gouvernement. Magali Dauphin secrétaire organisation moun handicapé pour développement Haïti ak Eddie Bernard présenté organisation ça et puis souhaité chef l'état rencontrer ak yo nan cadre consultation nationale la fait pour mettre sous pied nouveau gouvernement. N'a dit président nan secteur nou an gen moun formé
qui éduquer qui cabaille participation yo dans changement ça ou chercher. Nous profiter occasion ça pour demander nouveau gouvernement cap venir pour le bailler une autre politique sous secteur ça. Nouveau gouvernement cap monter là, faut un gouvernement qui cap réunir tout le monde, tout secteur pour chita ensemble avec tout le monde pour nous indiquer tout le monde aller en souffle dans pays ça. 15 élèves qui sont dans différentes écoles ont fait stage dans la télévision nationale d'Haïti. L'initiative ça a fait sous leadership directeur télévision Gamal Augustin. Mais l'idée pour accompagner les élèves qui font des moyens pour permettre de faire expérience travail pendant vacances. Daline Dorival, Pems Jean-Baptiste. L'initiative ça qui est lancée en 2017 permet plus de passer une dizaine d'élèves l'école. Qui sorti dans plusieurs établissements scolaires, fait stage pendant toutes vacances dans la radio et la télévision nationale d'Haïti. Directeur général RTNH, Gamal Augustin, expliquait à travers l'initiative ça, Média l'État, service public là, visait à accompagner les jeunes. Pendant le rappeler, éducation, c'est base d'une société. 15 élèves qui sorti dans plusieurs institutions dans Port-au-Prince. Rêve nous, c'est pour nous faire dans toute la République d'Haïti, mais il y a toujours difficile pour le moment. Mais c'est 15 jeunes. Âgé entre 16 et 17 ans, et qui dans l'école secondaire, que nous avons orienté pour nous montrer au monde audiovisuel. Et la télévision nationale d'Haïti, ensemble avec la radio nationale d'Haïti, nous accompagnons. Nous avons un programme d'emploi partiel et pour l'été. Chaque après recevoir un petit cobre, nous allons rentrer dans le détail comme un cobre lié. Mais ce n'est pas le cobre qui est important. Ce qui est important, c'est préparer l'avenir de l'audiovisuel de la République d'Haïti. Et je pense que c'est une responsabilité que nous-mêmes nous gagnons là dans la télévision nationale d'Haïti depuis l'année entrée, qui s'est formé jeune, un jeune pour demain matin, qui a mieux, un jeune pour une jeunesse qui sous ça, un jeunesse qui compte côté le poids. Jeune Sayo qui est papillé dans différentes directions en cours, administration, programmation, technique, information, saluer initiative là. Il était très facile parce que l'emploi était très pour toi, il était très participé, il était très aidé, nous, il était par la veine, il était expliqué dans tout le bail. Donc, la vie était très facile, donc vous avez réussi. Voilà, tout le monde est à l'aise. Bon, l'intégration était assez facile. Le pourquoi, j'étais pratiquement habitué avec tout le monde qui était là déjà. Même si j'ai gagné certains remaniements, j'ai gagné une nouvelle personne qui était venue employer dans l'institution. L'intégration était assez facile, mon était convivial et tout le monde mettait une dynamique pour accompagner. Donc, il faut dire que j'ai obtenu une nouvelle ça à cœur. Parce que c'est comme des choses à faire pour vacances, même pas bien d'autres options. Et puis, je me passe concours avec Brio, et puis, on y est mon matin. Et puis, je suis très content de venir. Je connais pas ta poucom, je suis bien le stagiaire avec moi. Et je suis très satisfait jusqu'à présent. Quelques autres parmi eux racontaient comment stage ça pral aider eux. Pendant que vous encouragez les jeunes qui sont dans la travaillent pour venir un modèle dans la société. J'ai toujours voulu une expérience dans le travail, donc ça a représenté une bonne opportunité pour moi. Et puis en même temps, je apprends comment fonctionnement en télévision. Je apprends comment pour faire différentes lettres, factures, tout le bagage. Je pense que j'ai aidé parce que je peux appeler une fois pour faire genre de bagage que je apprends à faire là. Bon, pour moi, son. Une belle expérience parce que la télévision comme stagiaire yo apprendre moins en pile bail que même te connaît tout donc dans satellite là yo apprendre moins que gain décodeur et quand capter quelques signal dans technique là tout comme si yo apprendre faire soudure bon moi comme si que quand on dit ça son sorte de formation m'a jeune et qu'a prêté pour la vie tant que c'est pour toucher avec l'école meilleur bail là c'est éducation te vous éduquer quand même pour avoir un respect dans la société. Et toute chose là, c'est l'éducation, parce que c'est lui qui permet.